Super, encore un taré en liberté. C'est bon, panique pas! Non, mais je t'assure, ceux qui se foutent de tête sec savent pas de quoi ils sont capables. Ils sont regardez partout. Où vous allez. Ça peut être n'importe qui. Calme-toi, je te dis. C'est des malins. Ils peuvent prendre le contrôle d'une ville, d'un état ou du pays tout entier. Faut pas les prendre à la légère. Non, je... Mais non, je... Quoi? Oui. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. J'ai dit... Ouais. T'imagines même pas. Je vais oublier tout ça, mec. Pourquoi tu restes assis là? Il va venir, hein? C'est pas comme la dernière fois. Jackson, Trésor, je l'ai invité. Ça fait longtemps. T'es sûre que t'as fait le bon numéro, maman? Chérie, ton oncle est un peu spécial, je sais. Mais ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Apparemment, nos infos sur Maurice étaient correctes. On a réussi à accéder au City OS par une backdoor pendant que tu occupais la police. Et puisque c'est gagnant-gagnant, on va partager. La backdoor te permet d'accéder à une portion du réseau City OS. Je vais essayer d'aller encore plus loin. Donne-moi un peu de temps. Pour m'aider à retrouver le tireur. Il s'appelle Jordy Jean. Au début, j'avais pas confiance. Ce mec est très bizarre. Une grande gueule. Il porte toujours de super costumes. Mais jusqu'ici, il est efficace. Il m'a donné un nom. Maurice Vega.
Je veux pas aller n'importe où, moi. Je veux aller à Pony. Ok, c'est toi le chef, on ira à Pony. J'en peux plus de me souvenir d'elle comme ça. Je rêve plus jamais de son visage à la fenêtre quand j'allais les voir. Ou de la petite danse rigolote qu'elle faisait. C'est toujours le même cauchemar. Il faut que je me change les idées. Heureusement, la ville est pleine de distractions. Et elles ne peuvent pas m'échapper. Oh putain! Faudrait quand même que je remercie le CityOS. Une petite brèche dans leur logiciel de reconnaissance faciale. Et voilà, j'ai accès aux données personnelles de tout le monde. Ce mec a l'air violent. Il faut pas le laisser s'en prendre à quelqu'un. Je vais le retrouver. Un mouchard sur son appel, et je le tiens. Décale ! Qu'est-ce qu'il fabrique, ce malade? Bordel! Merde! Voilà, il est dans cette zone. Faut que je fasse attention, ne pas me faire repérer. Et laisser le profiler faire son travail.
Pierce. C'est sûrement après elle qu'il en a. Il est dans le coin. C'est sûr, je le sens. Non, c'est pas. Discuter. Mais je veux pas en parler avec toi, tu comprends? C'est fini, fais-toi une raison. C'est tout faux, c'est pas terminé, c'est pas tes oignons. Je dois maintenant. Merci. Plus personne maintenant. Nikki, oui, je sais. La fête a commencé. Elle est presque finie. Où est-ce que t'es? Là, je suis sur la route. Oh, mais tu le fais exprès. Tu sais à quel point c'est important pour Jackson. Dépêche-toi, on a envie de te voir. Oui, moi aussi. Je serai bientôt là. Désolé, Nikki, j'ai un double appel. On se voit bientôt. Cool, tu t'en es tiré. Écoute, si jamais t'as besoin d'une voiture, appelle-moi et je t'arrangerai ça. Voiture d'occasion. Tu préfères passer par un concessionnaire? Ce mec, je lui pose pas de questions. Et il me trouve les voitures que je veux. Alors si ça t'intéresse. Ok, j'y penserai. Et Maurice, comment il va? Oh, t'inquiète, il est dans une forme olympique. Je vais le déposer à ma petite décharge personnelle. J'ai besoin de lui vivant aujourd'hui. Ouais, vivant, comme tu veux. T'as pas l'habitude, hein, c'est pour ça. Perso, je l'aurais déjà descendu, mais c'est toi qui paies. Et très cher. Alors tant que tu paies, il reste en vie. Je suis pas allé voir Nikki depuis l'enterrement. Est-ce que je suis prêt? Au dernier anniversaire de Jackson, Lena avait chanté en apportant le gâteau. Elle chantait à tue-tête et pas très juste. Aujourd'hui, j'ai peur du silence. Il y a un cambrioleur qui a essayé de rentrer chez moi hier soir. Les flics sont débarqués comme des ninjas. Merci de cette théorie. Je le connais, ce quartier. Debes creerme, te está mintiendo. No te fies de ella. No te fies. Mais bon, quand il y a du nouveau, c'est du bien. Tout le monde vient aux nouvelles. J'ai plus de 1000 connexions par jour sur le site web. Ah, à ça, personne n'a eu les chouquettes de le faire. Mais c'était facile. Je suis resté à travailler tard. Et quand tout le monde est parti, j'ai mis la caméra dans le conduit. Les caméras, c'est tout petit maintenant. Ouais. Super. Génial. Ouais. Mais bon,
ok. Ouais, ok. Ok, on se parle plus tard. Hein? Non. C'est cool. Ouais. Attends, quoi? Super. C'est génial. Ouais. Bon, je t'appelle parce que j'ai besoin d'aide. Ah, vraiment? Alors, ça veut dire que... T'es vraiment un connard. Eh, hey, je suis pas un connard. C'est comme ça. Et tu ferais exactement la même chose à ma place. Ah, mais alors là, pas du tout. Super pas, même. En plus, c'est la première à dire que le week-end était foutu. Tout ça à cause de ces Radiania. J'étais juste d'accord avec elle. Ça fait pas de moi un connard. Ouais, attends. Non, c'est pas ça. C'est... Non, ça coupe. Là, je t'entends, ouais. No, no, no. No le creas. No le creas una sola palabra. No lo hagas. Vachement grave, en fait. Oh, espera. Seguro que no dejas que los asuntos personales interfieran en las cuestiones empresariales. Quizás, pero el año pasado me trató fatal. Tengo muy claro que no voy a dejar que te haga lo mismo. Bien maintenant. Ah, c'est cool. Alors elles se sont bien ici. Dans l'ensemble, ouais, mais il y a toujours des connards qui la font chier de temps en temps. Des cons, il y en a partout. Suffit de les ignorer. Ouais, mais des fois, tu peux pas savoir comme j'aimerais leur péter la gueule à ces enculés de racistes. Eh oui, pas de problème. Je serai là ce soir. Je serai là ce soir, je te le dis. Passe-le-moi. Oui, non, mais ça va pas. Pardon ? N'importe quoi. Ils sont sûrement dans le jardin. Quel con. Passe-le-moi. Oui, mais ça va pas. Ok. Pardon ? On y va. C'est pas possible, je te dis, c'est pas possible. Mm-hmm. Oui, je comprends. T'as quel âge aujourd'hui ? 10 ans. Non, je pense plutôt que t'as 9 ans. J'ai 10 ans. 9. 10. 9. 10. Bon. Alors, dans ce cas, ça fait 10 guillis d'anniversaire. Et... Arrête, maman. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10. Attends-moi une seconde. Ok. Donc, ça fait une année complète et... Et je suis en retard. Je sais. Désolé, Nikki. Vraiment. Approche. Laisse-moi te regarder un peu. T'as pris un coup de vieux. Oh, sympa. Merci bien. C'est son premier anniversaire sans Lena. Comment il va ? Il refuse de parler à quelqu'un d'autre que moi. Yolanda dit que son silence, c'est sa façon à lui de garder le contrôle. Yolanda ? Sa psychologue. Elle l'aide beaucoup. Ça marche, tu sais. Mais c'est long. C'est pas facile, mais on progresse. Jackson ?